Merci beaucoup, Jean-Paul. Je suis ravie de vous accueillir ici, à la métropole européenne de Lille, dans cette ville superbe qui nous a accueillis déjà à Ville Internet, à l'occasion notamment d'une remise des labels il y a quelques années, dans une région qui suit attentivement les problématiques du numérique, voire qui les précède bien souvent. Qui a des visions collectives avec les collectivités locales en réseau, souvent Ville Internet. Et donc, on est particulièrement heureux d'être là parmi vous. Je voudrais remercier tous ceux qui sont présents, qui ont fait l'effort de se déplacer dans cette période difficile, que ce soit du point de vue psychologique et du point de vue des transports matériels, etc. Je voudrais souligner que on est au-delà de la salle, en liaison directe sur le site de Ville Internet notamment, où plusieurs personnes, notamment nos amis belges, se sont promis d'être au rendez-vous. Donc on parle largement aujourd'hui. Donc Ville Internet, pour mémoire, c'est une association qui a 16 ans d'existence, qui s'est donnée pour mission d'accompagner la décision publique et les acteurs locaux sur cette société différente dans laquelle on entre plus ou moins rapidement au travers des outils, des réseaux numériques, de l'Internet, des objets connectés, de la circulation de la donnée, et où, bien sûr, la question de l'identité est posée depuis déjà aussi longtemps, puisque ça faisait partie des sujets que les personnalités regroupées au démarrage de Ville Internet avaient posé comme question dès l'époque, et que les élus se posent sans cesse, puisqu'on est sur des problématiques qui touchent à la fois, bien sûr, l'identité du citoyen, et nous sommes tous citoyens. Derrière ces mots, on parle bien de chaque personne, que ce soit le citoyen électeur, le citoyen parent, le citoyen élu, le citoyen agent. Et donc, il s'agit de réfléchir ensemble sur le rapport entre cette identité numérique qu'on se construit tous d'une manière parfois un peu improvisée, sans bien y réfléchir, et l'identité légale et l'identité culturelle, peut-être, on aurait ces approches-là. Donc, toujours en essayant d'accompagner une culture numérique dans les territoires, Ville Internet, forte de ce label qui vous permet d'échanger aux collectivités vos expériences, vos initiatives, de partager, de mutualiser, d'avancer ensemble, puisque plus que jamais, il va falloir, à cette période où notamment la secrétaire d'État, Axelle Lemaire, a proposé une loi numérique qui prend une ampleur particulière aujourd'hui, dans laquelle la question de l'identité, notamment, est suggérée dans quasiment tous les articles. Et donc, on est sur cette responsabilité qu'ont les territoires à s'emparer de cette question. Et ils le font volontiers, comme le prouve l'engagement de plusieurs collectivités, à l'exemple de la ville de Vannes, je remercie Anne Le Dirac d'être avec nous aujourd'hui, d'ouvrir leurs portes pour ces assises de l'identité numérique du citoyen. Et donc, là, on est à la MEL aujourd'hui. Début mars, nous serons à Fleury-sur-Orne, dans l'agglomération de Caen-la-Mer. Et nous serons ensuite dans différentes collectivités dans toute la France, sachant qu'encore aujourd'hui, nous avons une nouvelle demande. Et donc, ce cycle perdurera tant que des collectivités choisissent et décident de porter cet événement, notamment d'emporter la logistique. Et je vous en remercie, et je remercie toute l'équipe qui a travaillé pour que cette réunion puisse avoir lieu aujourd'hui. Et ouvrir donc ces sujets ensemble. Voilà. Le label Ville Internet, pour information, sera remis le 18 février à Montrouge cette année, encore plus de 260 collectivités concernées en France. Et on aura l'occasion, dans cette grande journée du 18 février également, de parler de cette problématique de l'identité numérique qui est donc centrale. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, sinon pour vous rappeler que donc, dans le programme de la journée, la logique un peu récurrente pour nos événements, pour ceux qui connaissent les rencontres régionales Ville Internet, c'est que le matin, on va
enfin le matin et en début d'après-midi, on va creuser toute la problématique pour essayer de trouver un langage commun, pour essayer de se comprendre, à la fois sur les enjeux techniques, sur les enjeux juridiques et évidemment sur leur impact sur les organisations en général et notamment les organisations territoriales. Donc, le matin, les enjeux, cette matinée sera animée par notre expert, je l'appelle comme ça parce que vraiment, il est expert de ces sujets de sécurité et d'identité, Laurent Charéron. Et j'assumerai l'animation de l'après-midi qui démarrera donc par une présentation de nos partenaires dans 7 minutes pour convaincre. Donc le groupe La Poste et Advance qui seront là pour vous montrer comment les entreprises aujourd'hui proposent des solutions qui ont été réfléchies sur la base des besoins d'une manière très attentive et qui sont toujours, je le précise, demandeurs de la contribution des acteurs, des collectivités, des usagers. Et ça, pour nous, c'est important. Donc, présentation de ces 7 minutes pour convaincre. Ensuite, Akimura nous rejoindra nous amènera son point de vue d'élu à ce moment-là et nous ouvrirons le débat où vous pourrez chacun poser des questions, mais surtout apporter des témoignages, des propositions, des inquiétudes ou des visions d'espoir liées à ce sujet. On parlera de démocratie, on parlera d'administration, on parlera d'éducation, on parlera de médiation. Nous pourrons comme ça conclure avec Hakim Oural à nouveau sur cette journée vers 16h, 16h30. Voilà, le déjeuner nous sera offert par la MEL, merci encore. Nous espérons que vous pourrez passer cette journée avec nous pour apporter vos témoignages, donc particulièrement cet après-midi, même s'il y aura des temps de questionnement le matin commun. Voilà, alors... nous voulions saluer la création d'un nouveau conseil des partenaires que Claudie Le Breton a bien voulu accepter de présider, un conseil des partenaires du numérique dans les territoires qui veut être très ambitieux, mais on en parlera au cours du temps, qui se constituera pour la première fois le 18 février à l'occasion de la remise des labels. Et pourquoi on a demandé à Claudie, et pourquoi il nous dira pourquoi il a accepté, mais parce qu'il est auteur d'un rapport sur la France des territoires de demain, avec lequel vit l'Internet et les collectivités, les 450 membres et les 17 maires du membre du conseil d'administration, d'une manière tout à fait transpolitique, avaient beaucoup, beaucoup d'idées retrouvées et de propositions retrouvées dans ce rapport. Et c'est pourquoi pour nous c'était essentiel que Claudie puisse nous rejoindre et vraiment je l'en remercie particulièrement. Et donc je lui laisse la parole pour témoigner dans ses différentes responsabilités en tant que président du Conseil général des Côtes d'Armor, d'une part, et puis en tant que président de l'Assemblée des départements de France pendant plus de 10 ans, comment aujourd'hui ces sujets du numérique et particulièrement de l'identité sont un sujet territorial réel.